Bonjour, je m'appelle Chérine Mikhaïl. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va apprendre ensemble où on va parler des préfixes. Préfixe pré, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire on met quelques lettres avant le mot. Puis ça change tout totalement le sens de mot. Comme ici, on a anti, c'est-à-dire contre. Si on va dire douleur, c'est la douleur. Anti-douleur, c'est-à-dire contre la douleur. Bi, c'est-à-dire deux. Bilingue, c'est-à-dire deux langues. Des ou des, contraire de, coiffé et décoiffé, ordre et désordre. Illégal, c'est le contraire de légal. Impoli, c'est le contraire de poli. Incorrect, c'est le contraire de correct. Irréel, le contraire de réel. On a aussi inter, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs, comme interculturel, international. Para, c'est-à-dire contre, comme parapluie, c'est contre la pluie. Parachute, c'est contre la chute. Il a aussi le sens de à côté de. Comme parascolaire, c'est-à-dire à côté de l'école. Pré, comme le sens d'avance. Préavisé, c'est-à-dire avisé à l'avance. R, c'est-à-dire de nouveau, comme réacheter, c'est-à-dire acheter de nouveau. Redire, dire de nouveau. Réactiver, activer de nouveau. Sur, le sens de au-delà de, comme surnaturel, c'est-à-dire au-delà de naturel. Trop, surchauffer, c'est-à-dire s'échauffer de plus ou de trop. Télé, comme à distance, téléphone, c'est-à-dire c'est une fan à distance. Trans, c'est passage de l'un à l'autre, transplanté, à travers, transparent. Tri, c'est-à-dire trois, comme le mot tricycle. Bon apprentissage!